Née en 2011, la BMW K1600GT évolue en douceur pour 2015. Elle est maintenant dotée de série d'un contrôle de traction dynamique DTC. Et en option, on retrouvera des éléments dont seule la K1600GT est l'exclusive disposée jusqu'à présent. Le système Calais Ride qui permet de garder la clé dans sa poche, que ce soit pour démarrer ou pour ouvrir le réservoir d'essence par exemple. En ce qui concerne le design général, il ne change pas. Elle conserve cette face avant de rapace avec ses feux de jour circulaires et son pare-brise bien dessiné, réglable en hauteur d'une simple pression sur un bouton sur le commodo gauche. Elle garde aussi cette ligne finalement assez fine malgré la présence de valises latérales qui lui vont bien. On sent qu'elle a été dessinée avec. Elle est peut-être moins élégante lorsqu'elles sont déposées. Et surtout, elle conserve ses deux silencieux qui suffisent à eux seuls à la différencier dans le flot de la circulation. 6 sorties pour 6 cylindres. Finalement, seul le tableau de bord évolue. Les compteurs sont maintenant sur fond blanc et adoptent des caractères plus modernes. La couleur s'invite dans l'écran LCD de l'ordinateur de bord qui délivre toujours autant d'informations. Cela va de la cartographie moteur à la station de radio, en passant par différentes tripes où la consommation moyenne est instantanée. Pour naviguer dans les menus de l'ordinateur de bord, il suffit d'appuyer sur la touche dédiée située sur le commodo gauche. Pour sélectionner la fonction, on fait tourner la molette intégrée à la poignée et on valide en la poussant vers la droite. C'est vraiment très pratique et très bien étudié ce système de molette au guidon. Moi je vois que deux défauts, ça concerne l'ESA, la suspension pilotée, lorsqu'on a pris l'option. C'est un petit peu fastidieux de devoir se balader dans les menus pour passer de confort à dynamique par exemple. Ça oblige à quitter les yeux de la route. Le bouton dédié sur le commodo que l'on trouvait finalement avant, bah, c'était bien aussi. Et puis la molette est trop proche de la commande de clignotant, parfois on confond les deux. Et puis quand on a opté pour le GPS intégré, on se retrouve souvent avec la boussole au lieu de la carte sur l'écran parce qu'on a voulu signaler son intention de tourner à droite par exemple. Et le problème ne se serait pas posé si BMW n'avait pas abandonné les commandes de clignotants séparées qu'on trouvait sous les poignées droite et gauche avant. Concernant la partie cycle, la K1600GT est pourvue d'un magnifique cadre à double longeron en aluminium qui court sur ses flancs. À l'arrière, on retrouve un Paralever et son cardan. Et à l'avant, un système de fourche Duolever, un quadrilatère à roues poussées qui sépare totalement la direction de l'amortissement. Le freinage est confié à un double disque de 320 mm de diamètre, mordu par deux étriers fixes à 4 pistons à l'avant, et à l'arrière, à un simple disque de 320 mm et un étrier flottant à 2 pistons. Évidemment, pour éviter toute glisse intempestive, la K1600 bénéficie d'un ABS intégral BMW partiellement couplé. La pédale de frein agit sur l'ensemble du freinage, arrière et avant. Concernant la motorisation, on retrouve le déjà mythique 6 cylindres en ligne de 1649 cm3 développé par BMW pour la K1600. Dans le monde libre, il développe 160 chevaux à 7750 tours minute et surtout un couple de 175 Nm à 5250 tours minute. En France, bridage oblige, il faut se contenter de 107 chevaux et 150 Nm qui semblent bien suffisants toutefois pour faire décoller sans problème ces 332 kg tout plein fait. Mais quel couple franchement, c'est impressionnant, j'ose pas imaginer ce que ça donne en version libre. J'ai l'impression d'être sur un remorqueur tellement ça pousse fort. Bah, d'autant que 70% du couple est disponible dès 1500 tours. Elle va m'allonger les bras cette moto, mais quelle sensation franchement. Et quel son! C'est indécent une sonorité pareille. Non mais sérieusement, ça a de quoi donner des complexes à la plupart des motards qu'on croise. Hein. Et ça aussi, ça participe au plaisir. La sonorité rauque à l'accélération, elle se fait beaucoup plus feutrée une fois lancée. Ah c'est top. C'est assez confortable hein, pour les longs trajets sur l'autoroute. Au registre des aspects pratiques, la K1600GT n'est pas en reste. S'il n'y a aucun espace libre sous la selle, elle propose deux boîtes à gants verrouillables à clé. Celle de droite contient un câble USB et un auxiliaire pour profiter de la musique de son smartphone directement dans les enceintes de la moto. Une prise DIN permettra en outre de brancher un smartphone ou un GPS externe si vous n'optez pas pour l'option GPS intégrée qui transforme le tableau de bord en cockpit d'avion. En matière de petits plus, on notera la présence d'une selle chauffante pilote et passager. En outre, les deux assises s'avèrent très confortables. Alors ce que je retiendrai de ces 1500 km au guidon de cette BMW K1600GT, c'est sa polyvalence. Je pense que ça tient en grande partie à la position de conduite. C'est très bien étudié. J'ai un peu l'impression d'être sur une GS, enfin avec un guidon plus étroit quand même. Mais le buste est très droit, les cale-pieds sont suffisamment bas pour se sentir bien sur de longues distances. Mais les jambes sont tout de même assez repliées pour attaquer un peu, voire beaucoup, si l'appel du pif-paf devient trop fort. Et avec un centre de gravité placé sous terre, malgré le poids et la largeur de la K1600, même en ville on se balade. Il y a bien qu'au moment de poser le pied à terre qu'il ne faut pas faillir. Et encore parce qu'elle est encore une fois très bien équilibrée. Reste à évoquer le prix, 21 650 € hors option. Et comme toujours chez BMW, la liste est immense. Comptez plutôt 24 000 € pour rouler sur une K1600 GT bien équipée.